Dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Ma parole, tu repasses des draps? Ben oui. C'était ce qu'un temps, un coup. Pourquoi les donnes-tu pas au blanchisseur? Parce que ça coûte trop cher. Et quand tu seras sur le flanc, qu'est-ce que ça coûtera? Moi, je suis solide, ne crains rien. Mais je ne veux pas que tu te fatigues, ma pauvre chérie. Embrasse-moi. Non, j'ai trop chaud. Bon. Où tu ferais le whisky? La bouteille est dans le placard au-dessus de l'évier. Tu bois du whisky à 3 heures de l'après-midi? Bah, je vais lui prendre froid. Avec l'harmonie d'arrêter le chauffage le 15 avril, on peut crever. Ça réchauffe. Va doucement, hein, auprès où il est. Bah, tu vois, juste une larme. Tu veux bien remettre la bouteille dans le placard, s'il te plaît? Voilà. Laisse ces draps, je vais les ranger. Mais non. C'est trop lourd pour toi, voyons. Où les mets-tu? Dans l'armoire de la chambre. J'y vais. Alors, tu ouvres? Ah oui. Bonjour, madame. Monsieur Fontenoy, s'il vous plaît. C'est ici, monsieur. Il est là? Je viens de rentrer, je vais voir. C'est de la part de qui? Maison Thibaudeau, j'ai 800 francs à encaisser. Ah, bien. C'est la maison Thibaudeau, ils viennent pour leurs 800 francs. Ah, oh, dis que je ne suis pas là. Ah non, écoute, on peut pas jouer tout le temps à cache-cache avec ces gens-là. Allez, vas-y. Bon. Bonjour, monsieur Fontenoy. Je viens encaisser les deux traites de 400 francs que vous avez laissées impayées. Écoutez, c'est pas sur le palier qu'on peut parler de ça. Entrez, s'il vous plaît. Oui, entrez, monsieur. Vous avez l'air étonné, monsieur Fontenoy. Vous savez tout de même bien que vous nous devez encore 800 francs sur le canapé qu'on vous a fourni. Ben oui, naturellement. On doit me faire demain un versement important. Je passerai vous payer après-demain matin. C'est ce que vous aviez déjà dit à mon confrère la dernière fois. Et puis vous n'êtes pas venu. Puisque vous attendez une rentrée, donnez-moi un chèque antidaté. Ah non, c'est interdit par la loi. Oh, vous savez, la loi a deux jours près. Non, mais je vous répète, je passerai à votre magasin après-demain matin. Peut-être même, je ne sais pas, moi, demain soir. Désolé, mais vous savez, la direction, ils ne sont pas tendres. Si je ne rapporte pas l'argent tout à l'heure, votre créance va être remise dès ce soir à l'huissier. Mais ce serait stupide. Ah, j'y peux rien. Et moi, figurez-vous, l'argent, je ne le fabrique pas. Excusez, mais quand on n'a pas les moyens de se payer un canapé de 200 000 balles, on ne l'achète pas. Bon, allez, monsieur, madame, au revoir. Oh non, mais quelle boîte! Oh, bah écoute, mets-toi à leur place. Pour l'électrophone, ils ont été moins patients. T'as vu le papier bleu qui est arrivé ce matin? On n'en sortira jamais. Mais si, mon chéri, mais si, Dombreval va me verser un acompte. Et le poste de télévision? Il y a encore deux versements à faire. Enfin, te voir que dans la situation où nous sommes, on pouvait se passer de télévision. Non. Comment non? Non. Il faut bien que je me tienne au courant de ce qu'écrivent mes confrères. Ne serait-ce que pour ne pas tomber dans les mêmes sujets. Mais t'as jamais rien écrit pour la télévision. Eh bien, ça va venir. Xavier doit m'avoir un rendez-vous avec eux. Et en attendant? Et en attendant, je te dis que Dombreval va me verser un acompte. Si ton manuscrit lui plaît et s'il veut bien l'éditer. Oh, pour ça, je suis tranquille. Mon bouquin est du tonnerre. T'as dit ça des deux précédents et personne n'en a voulu. Alors. Parce que je croyais encore à la vieille formule, le policier qui découvre le coupable par déduction. Mais maintenant, ce que les gens veulent, c'est de l'action. Dombreval me l'a dit et cette fois, il est servi. Ça, pour ça, il y a de l'action. Les coups de théâtre se succèdent, on n'a pas le temps de reprendre sa respiration. Je sais, j'ai lu. Enfin, tu serais éditeur, tu ne sauterais pas dessus? Oui, mais je ne suis pas éditeur, moi. Sois tranquille, c'est au moins une affaire de 10 000 francs. 10 000 francs nouveaux? Oh, naturellement, 1 million, quoi, si tu préfères. Comme ça, on pourra voir venir. Et puis, tu sais ce qu'on fera? Non. On achètera une bagnole. Ça ne te fera pas plaisir? Mais tu ne changeras donc jamais. Quoi? Oh non, je n'y suis pour personne. Florence! Bonjour mon chou. Je passais devant chez toi, je suis montée t'embrasser. Mais viens. Oh, bonjour Bernard. Bonjour Florence. Ah, toujours aussi ravissant. Oh, et votre femme donc? Elle est plus belle que jamais. Et c'est ce que je me dis tous les jours. Je vous fais pas faire ou pas? Non, j'ai un rendez-vous avec mon éditeur. Vous nous sortez un nouveau livre? Oui, bientôt. Alors, content des affaires? Ravi. Bravo. Au revoir, Florence. Au revoir, Bernard. Alors, tu ne dis rien de ma nouvelle étole? Elle est merveilleuse. C'est du vison. Daniel vient de me l'offrir. Tu vois, tout le chic est dans ce mouvement, là. C'est rien et c'est tout. Ah, il n'y a que Paris pour inventer ça. Mais là, un peu pour voir. Non, pas pourquoi? Non, je commettrais un péché d'envie et ce n'est pas le moment. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Allez, mets ça. Tiens, regarde-toi dans la glace. Elle te va, ma petite. Tu n'es pas jolie à croquer avec ça?
Dire que Bernard ne gagnera jamais assez d'argent pour m'en offrir une. Qu'est-ce que tu en sais? Oh non, je ne me fais aucune illusion. Je suis vouée jusqu'à la fin de mes jours au petit tailleur classique et au manteau sport. Ça ne se démode pas. Mon seul luxe, c'est les premières dans le métro. Quand il y a de si jolies bagnoles. Oh, tu sais que Daniel m'a offert un amour de petits coupés rouges et noirs pour faire mes courses dans Paris. Ah? Bon oui, tu penses, avec la grosse voiture, c'était plus possible, on ne pouvait pas arriver à se garer. Ah non, le plus simple, c'est ce petit teuf-teuf qui a tes reprises, ma fille, sensationnel. Après les feux rouges, tu démarres, comme si tu étais lancée par un élastique. Il faut voir la bille des gars. Sais-tu, Florence, que je suis jalouse de toi? Sans blague. Quand je pense qu'en classe, tu ne fichais rien, tu courais les garçons, t'as été recalée à ton bac, tu ne t'intéresses pas à grand-chose, t'as ni cœur, ni sens moral, et puis malgré tout ça, tu as décroché un mari qui gagne des fortunes et qui t'adore. Enfin bref, tu as le bonheur que tu ne mérites guère. Alors que moi, vraiment, j'y avais droit. J'étais sérieuse, je travaillais dur, j'ai réussi tous mes examens, j'ai passé ma vie à me dévouer pour les autres. Ah oui, ça c'est vrai. Résultat, mon mari ne gagne pas un sou, c'est un monstre d'égoïsme et il n'est même pas capable de me donner un enfant. Mais tu as fait un mariage d'amour. J'ai été victime d'un abus de confiance, et probablement sans que Bernard lui-même s'en doute. Pour m'avoir, il n'a cessé tout au long de nos fiançailles de jouer un personnage qu'il n'était pas. Tu as pu le voir comme moi d'ailleurs. Oui. Sérieux, travailleur, énergique. Ces deux livres écrits après notre première rencontre ont remporté un gros succès. Et nous avions tout lieu de voir en lui un garçon d'avenir. Oui, ça c'est vrai. Eh bien, ce n'est qu'au bout de 6 mois de mariage que, peu à peu, il m'a laissé voir sa vraie nature. Veule. Aucune volonté, aucun sens de l'argent. Irrégulier dans le travail et tout compte fait, sans grande imagination. Alors, tu crois que pour te conquérir, il aurait donné d'un coup tout ce dont il était capable? Je ne le crois pas, j'en suis sûre. Puis aujourd'hui, plus rien. Le vide total. Depuis 5 ans que nous sommes mariés, les livres qu'il a écrits n'ont connu que des tirages médiocres. Et la courbe ne cesse de descendre. Mais pourtant, il m'a dit être content de ses affaires. Mais c'est un mythomane qui prend ses désirs pour des réalités. Le prochain contrat va toujours être merveilleux. Et puis pendant ce temps-là, je dois faire des prodiges d'économie pour tenir le coup. Mais en tout cas, je suis sûre que Bernard t'aime, comme au premier Mais jour. Mais oui, je sais. L'ennui, c'est qu'il ne m'aime pas pour moi, mais pour lui. Il trouve agréable de me voir à la maison quand il rentre et de me sentir auprès de lui quand il travaille. Quant aux décisions du ménage, c'est moi qui dois les prendre. Et puis dans un sens, je préfère, parce qu'il a parfois de ses initiatives. Oh là là, si tu savais parfois comment je me sens seule. Mais si seule. Prends un amant. Bon. Oh, tu vas pas continuer à gâcher ta jeunesse, non? Moi, à ta place, j'hésiterais pas, tu sais. Et qu'est-ce que tu ferais? Je tâcherais de trouver un garçon bien, avec une belle situation. Je divorcerais, je me ferais épouser. Mais en fait, tu es belle, tu n'as pas d'enfant. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu sais, je suis peut-être pas très intelligente, ma petite. J'ai pas beaucoup d'instructions. Mais je crois quand même à une chose. Et quoi donc? C'est que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Être heureuse? Bah oui. Alors marche droit vers le but que tu t'es fixé, ne t'occupe de rien, ni de personne. Autrement dit, tu écrases tout. Oui. Oui, bien sûr, et ça m'a réussi. J'ai fait divorcer Daniel. Il m'a épousée et nous ne regrettons rien. Et ça te gêne pas que ton bonheur ait été bâti sur le chagrin d'une autre? Ah, mais ça, je ne veux pas le savoir. Chérie, j'ai envie de ne plus jamais te revoir de ma vie. Idiote. Allez, habille-toi et viens essayer ma voiture. Elle est juste en bas, je l'ai laissée à la garde de Poulou. Avec lui, pas de danger comme la fauche. Et toujours aussi beau ton chien? Oh, il va pas très bien en ce moment. Il n'a pas d'appétit. Ben, faut le faire voir à papa. Oui. Oui, un de ces jours, je vais aller lui montrer. C'est d'ailleurs le seul vétérinaire que Monsieur Poulou accepte de consulter. Alors, Agnès, vraiment, un petit tour, ça ne te tente pas? Non, pas aujourd'hui, chérie. À bientôt. À bientôt, chou. Bonsoir, Monsieur Dombreval. Bonsoir, Fontenoy. Je viens prendre des nouvelles de mon manuscrit. Vous avez eu le temps de le lire? Oui. Alors? J'ai pas mal du tout. Mais? Oui, parce qu'il y a toujours un mais. Eh bien, je vais vous répondre et je vais vous surprendre. Il n'y a pas de mais. Je trouve ça excellent. Sans restriction? Sans la moindre.
Avec ce manuscrit-là, vous avez opéré un rétablissement que je me plais à reconnaître. C'est vrai, je commençais à désespérer de vous, mon vieux. Mais j'avais tort. Vous avez tenu compte de mes observations. Votre action marche à tel train qu'on n'a pas le temps de se reprendre. Vos coups de théâtre ne doivent rien à personne. Quant à la fin, ça, alors là, j'y aurais jamais pensé. Bravo. Oh, si vous saviez ce que vous me faites plaisir. Et puis, vous avez un bon titre, hein. Du sang à la une. Non, le jeu de mots est amusant. Alors, ce drame en haut d'un mât, cette atmosphère de voilier en plein océan, ça apporte quelque chose de neuf. Jusqu'à votre style qui est devenu plus nerveux, plus coloré. Ah non, c'est très réussi. Alors, ce bouquin, on le sort quand? Le plus tôt possible. Et vos deux autres lecteurs sont d'accord? Je vais vous lire la note de Thierry. Très bon roman, de l'action, du suspense, de l'inattendu. 17 sur 20. À ne pas laisser partir ailleurs. Je suis confus. Et le troisième lecteur? Saint-Lefroy ne m'a pas encore fait savoir son opinion, mais je la connais. Il va adorer ça. Bien, mais alors, dans ces conditions, monsieur Dombreval, est-ce que je pourrais espérer une petite avance? Pour quand? Tout de suite, si c'est possible, parce que ça m'arrangerait rudement. Mon vieux, vous connaissez la maison. On ne verse un avaloir qu'à la signature du contrat. Et je ne peux l'établir qu'au moment où les trois lecteurs sont tombés d'accord. Non, mais pardon, un jour, vous m'avez dit que les décisions étaient prises à la majorité. Alors, puisque vous, Thierry, vous dites « OK », même si Saint-Lefroy n'aimait pas mon bouquin, il serait seul contre deux, donc pas de problème. Vous arrangez ça comme ça, vous? J'ai absolument besoin d'argent, monsieur Dombreval. Si vous ne voulez pas m'en donner, je ne voudrais tout de même pas être obligé d'aller en demander à Clyde Mann, qui m'a fait hier soir des propositions. Oh, écoutez-le, déjà grisé, déjà prêt au chantage. Non, mais... Oh, si, si. Eh bien, puisqu'il faut parler argent, allons-y. Vous permettez? Je vous prie. À l'origine, voulez-vous que je vous prie m'apporter le dernier contrat que nous avons signé avec M. Bernard Fontenoy? Il faut que je me sauve. Mais toi le temps. Bernard, chez son éditeur, j'aimerais qu'il me trouve à la maison quand il rentrera. Encore un peu de champagne. Non, merci. Oh. Comme je suis faite. C'est un regret? Non, c'est un remords. Philippe, oui. Les heures que je passe auprès de toi me consolent de tout. Quand reviens-tu? Après-demain, si tu veux. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce regard sombre? Oh, je n'ai assez. Mais de quoi, mon Dieu? Mais de ces 5 à 7 clandestins. Qui ne sont dignes ni de toi, ni de moi. Enfin, quand vas-tu te décider à tout dire à ton mari? Et à venir t'installer ici en attendant que votre divorce soit prononcé? Ah, mais tort. Mais, qu'est-ce que ça peut bien fiche? Mais écoute, Philippe, sois raisonnable. Je t'ai dit 100 fois, je ne pouvais pas quitter Bernard. Mais enfin, pourquoi? Mais parce qu'il ne me laissera jamais partir. Ah. Par pur égoïsme, il passe sa vie à me dire qu'est-ce que je deviendrais sans toi. Je me demande effectivement ce qu'il deviendrait. Mais enfin, tu n'es ni infirmière, ni bonne d'enfant, que je sache. Oh. Agnès, ça ne te tente pas que nous essayions, nous deux, de construire quelque chose de solide, de définitif? Mon chéri. Ah, tu n'aurais plus de soucis d'argent. Je pourrais te gâter. Mais tu sais bien que j'accepterais d'être pauvre avec toi. Ce que j'aime, c'est ta force, ta douceur, ton autorité, tes bons yeux. Oh, puis on s'entend si bien, même dans le silence. Tu as remarqué, les rares fois que nous sortons ensemble, nous nous arrêtons aux mêmes vitrines. Oui. Nous feuilletons les mêmes livres, nous choisissons les mêmes 10. Agnès. Oh, Agnès, je voudrais que nous ne nous quittions plus. Jamais. Mais puisque c'est pas possible... Oh. Tiens, veux-tu que je te dise? Ton Bernard, tu l'aimes plus que moi. Oh non, écoute, tu n'as pas le droit de dire ça, Philippe. Ça, t'as pas le droit. Si je devais ne plus te revoir, je me flanquerais dans la Seine. Non, tais-toi, tais-toi, dis pas de bêtises. Et parlons sérieusement, tu veux? Oui, Philippe. Bon. Tu sais qu'il y a de plus en plus question que la compagnie me nomme directeur de notre agence de New York. Oh, tu vas pas me quitter, non? Bah, c'est pas encore fait, remarque. Évidemment, pour ma carrière, promotion pareille, tu te rends compte? Et tu seras fixé quand? Je sais pas. Ça peut aller très vite comme ça peut traîner encore longtemps.
Le directeur de New York vient de subir une grave opération. Il n'est pas sûr qu'il puisse continuer. Alors si je pars, tu plaques tout et je t'emmène. Mais Philippe... Non, ne me réponds rien. Si je te parle de ce départ, c'est simplement pour que tu y penses. Hein? Mm. Voilà. À jeudi. À jeudi. Tu es déjà entré? Je me demandais où tu étais. Eh bien, Florence a voulu me faire essayer sa nouvelle voiture et elle m'a emmenée jusqu'à Oudan. Jusqu'à Oudan? Oh, tu sais, on a filé, j'ai pas eu le temps de me rendre compte. Tu as vu Dombreval? Oui. Tiens-toi bien, il est emballé par mon bouquin. Et il le sort en octobre. Si, je lui ai demandé 1 200 000, prix forfaitaire, il a accepté. Formidable! Et il t'a versé une avance? Oui, 300 000 francs. Et mardi, quand j'irai chercher le projet de contrat, il m'en versera encore 200 000. Le reste à la sortie du livre. Mais c'est inespéré. Qu'est-ce que tu croyais, que ton mari était foutu? Enfin, on va pouvoir payer nos dettes. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, devine. Quoi? En sortant de chez Dombreval, je suis passé place Clichy. Et j'ai signé l'achat de la petite voiture d'occasion qui te faisait tellement envie. Mais... J'ai versé 100 000 francs à la compte. Elle sera à nous mardi, après avoir signé les traites. Mais tu es fou. Pourquoi? Mais comment, pourquoi? Mais on est sur le point d'assainir la situation et tu fais de nouvelles dettes. Je croyais que tu serais contente, moi. Oh. Et puis, je ne t'ai pas tout dit, ma chérie. Dombreval se réserve par contrat mes 3 prochains livres. Ferme? Non, en première lecture. Il risque pas grand-chose. Un éditeur qui s'accroche, ça ne t'impressionne pas, non? Si, bien sûr. Alors, je vais me mettre tout de suite un autre bouquin. J'ai une idée terrible. Ah, tu souris. Hein. Je vois que tu reprends confiance. Tu sais, il était temps. Hein. Tu croyais plus en moi, hein? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Allez, on arrose ça. Je t'emmène dîner au restaurant. Mais non, on n'a pas d'argent. Oh, est-ce que tu peux être décevante tout de même? Enfin, tu briserais les meilleurs élans. Je voulais pas que tu fasses de la cuisine ce soir, et puis après je t'aurais emmené à l'inauguration du drugstore de la place de l'Opéra, où Xavier m'a refilé son invitation. Ah bah alors là, je veux bien, parce que je pense qu'il n'y a rien à payer, non? Non, ça rien du tout. Eh bah dans ce cas-là, d'accord. Non, l'ennui, c'est que j'ai rien à me mettre. Bah ta petite robe noire, ça sera très bien. Ah oh, mais je pourrais demander à Madame Gauthier de me prêter son étole de castor. Eh bah voilà, bonne idée. Puisqu'il n'y a que le palier à traverser, file et reviens tout de suite. Je téléphone chez Garas pour retenir une table. Non, écoute, je te répète qu'en ce moment, on n'a pas les moyens d'aller au restaurant. Bon, on ne prendra que des plats bon marché. Mais ils sont tous très chers. On commandera des œufs à la coque, là. Oh, ce monde, c'est impossible de danser. Mais si. Oh, Bernard, hein? Tu me marches sur les pieds. Oh, pardon, c'est tellement merveilleux de danser tous les deux alors qu'on n'a plus de soucis. Plus de soucis, Agnès, tu te rends compte? Oh, ça tourne un peu. C'est ce beau gelé que tu m'as fait boire tout à l'heure. Mais alors, du champagne pour te remettre. Allez, viens vite. Il y a une table libre là-bas. Hein? Garçon, monsieur, du champagne. Certainement, monsieur. Tu as vu? Le tout Paris est là. Ah, toujours, quand c'est gratuit. Madame, voulez-vous m'accorder cette danse? Mais monsieur, je... Non, mais va, mon chéri, va, je vous en prie, monsieur. Merci. Philippe, si je m'attendais à te voir ici... Et moi donc? Et tu oses m'inviter comme ça, au nez de mon mari? C'est ton mari? Oh. Qui veux-tu que ce soit? Non, je pensais que tu avais un amant. Ah oui? Et tu me parais assez bien placée pour le savoir. Oh, chérie. Tu es en beauté ce soir. Merci quand même pour cet après-midi. Non, je veux dire, tes yeux ont un éclat. On dirait que tu es heureuse. Il y a de quoi, tu sais. Bernard m'a annoncé que son éditeur était emballé de son nouveau manuscrit. Il va le sortir et il lui a versé une avance. Je reprends espoir. Et puis Bernard nous commande une petite voiture, dis donc. Ah bien, c'est parfait. Je te laisse à ton mari. Ah Philippe, qu'est-ce que tu as? Moi, rien, pourquoi? Tu dis ça sur un ton? Non, je suis content de voir que chez toi ça va beaucoup mieux et que ton cher époux va peut-être s'avérer capable de te rendre heureuse. Philippe, est-ce que tu regretterais que pour moi les choses s'arrangent un peu? Non, pardonne-moi. Mais décidément, nous, les hommes, c'est à celui qui sera le plus moche. Hein? Oh. Non, c'est vrai. Je voudrais que tu ne sois heureuse qu'avec moi.
Pars-moi. Tu m'en veux? Mais non, puisque c'est une preuve d'amour. Mais tu vois, je suis aussi égoïste que ton mari. Oh, dis pas de bêtises. Ramène-moi à la table. Bernard nous regarde. Finissez bien la soirée. À jeudi. Ça tient toujours? Tu cherches à me faire de la peine. Non, je suis idiot. À jeudi. Je t'accompagne. Mais vous ne terminez pas cette danse? Non, je me sens un peu fatiguée. Merci, monsieur. Madame, monsieur. Monsieur. Agnès. Oui. Tu sais, je ne vais pas pouvoir passer chez mon éditeur. Pourquoi? Eh bien, Dombreval m'a dit que le chèque de 2000 francs serait à la comptabilité à partir de 5 heures avec le projet de contrat. Et moi, à 5 heures, je suis à la télévision. Bah, ton rendez-vous n'est qu'à 5h30, tu peux y passer avant. Mais penses-tu, je n'arriverai jamais à temps. Et un rendez-vous avec la direction de la télévision, on n'a pas le droit de manquer ça. Et puis, tu connais leur immeuble au bord de la Seine, on se tape des kilomètres avant de trouver le bureau qu'on veut. Il faudrait des patins à roulettes là-dedans. Non, non, écoute, le mieux, c'est que tu passes chez Dombreval. Tu vas à la comptabilité, on te remet le chèque et le projet de contrat, bien sûr. Et puis tu viens me rejoindre place Clichy. Pour? Pour prendre livraison de la petite voiture. Il n'y a plus qu'à effectuer le deuxième versement et signer les traites. Mais tu crois vraiment que cette voiture nous est indispensable? Mais naturellement, mon chéri, il n'y a pas à reculer. Si nous y renoncions, le premier versement serait perdu. Tu as de l'argent, affiche par la fenêtre, toi? Tu sais ce qu'il nous reste encore à toucher, voyons. Ça ne te ferait pas plaisir de profiter de ce beau temps? Demain, une petite virée à la campagne. Oui. Allez, c'est entendu, tu pars chez Dombreval. Bien. Bonjour, monsieur. Monsieur Dombreval a dû laisser un chèque et un projet de contrat pour mon mari, monsieur Bernard Fontenoy. Ah, non, madame. Ah non, je n'ai rien. Ah, mais pourtant, c'était convenu. Ah bon? Ben, je vais demander à la secrétaire. Allô, mademoiselle Régine, ici Joël, la comptabilité. J'ai ici près de moi madame Fontenoy, qui vient chercher un chèque pour son mari. Ah, vous n'êtes pas au courant? Ah bon? Ouais, elle est allée voir. Ah oui. Oui. Monsieur Fontenoy va bien? Oui, ça va, je vous remercie. Il y a longtemps que nous n'avons sorti un livre de lui. Hein? Ah, vous permettez? Bonjour. Allô, oui. Oui. Ah bon? Bon, merci. Monsieur Dombreval vous demande de passer le voir à son bureau. Ah, ah bien. Bien. Vous savez où c'est? Non, pas du tout. Ah ben, la grande porte capitonnée, là, tout de suite à droite. Ah ben, je vais vous montrer. Merci. Vous permettez? Entrez. Monsieur, voilà Monsieur Dombreval. Merci. Merci. Madame Fontenoy? Oui, monsieur. Si vous voulez entrer. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous nous sommes vus il y a 2 ans à un cocktail de presse. Oui, 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 je me souviens. Asseyez-vous. Mon mari est retenu par un rendez-vous à la télévision. Il s'excuse beaucoup de ne pas venir lui-même chercher le chèque et le projet de contrat. Je suis désolé, madame, mais il n'y aura ni chèque ni contrat. Mais comment, vous aviez promis à mon mari... Oui, oui, mais malheureusement, il y a un fait nouveau. Et quoi donc? L'avis du troisième lecteur. Mais je croyais que s'il n'était pas d'accord, ça n'avait pas d'importance. La majorité étant acquise. Mais madame, mais monsieur Saint-Lefroy aime beaucoup le manuscrit. Et bien alors? Mais l'ennui, c'est que votre mari l'a entièrement copié sur un roman américain paru il y a une dizaine d'années aux États-Unis et dont le titre est « Good evening, Mr. Benson mais... ». Saint-Lefroy l'a reconnu tout de suite. Il n'a eu qu'à le prendre dans sa bibliothèque et il me l'a fait porter. Je l'ai lu, aucun doute n'est permis. Non mais écoutez, il peut y avoir une rencontre d'idées, vous savez, ça arrive tous les non, jours, non, ça. Madame, non, madame, le manuscrit de votre mari est une pure et simple traduction. Même personnage, même action et même fin. Il n'a pris la peine que de changer les noms. On ne peut même pas parler de plagiat, il s'agit d'une copie sordide. Vous m'envoyez abasourdi. Vous lisez l'anglais, madame? Oui, monsieur. Bien.
Voilà le livre américain. Vous verrez que je ne mens pas. Non, mais je vous crois, monsieur. Non. Seulement, je suis bouleversée, quoi. Ce que votre mari a tenté là n'est autre qu'une escroquerie. Et inutile de vous dire que j'attends au plus vite la restitution des 300 000 francs que je lui ai versés. Mais c'est la catastrophe. Encore remercier le ciel que cette histoire n'ait pas de conséquences plus graves. Si nous avions sorti le livre, les Américains nous faisaient un procès. Et naturellement, vous connaissez les contrats. Nous retournions contre votre mari. Dommage et intérêt aux Américains et à nous-mêmes. Je n'ose pas penser à quelle somme cette aventure vous entraînait. Ceci dit, personnellement, madame, je vous assure de toute ma sympathie. Vous avez l'âge d'être ma fille. Et je ne serais pas fier d'avoir un gendre tel que ce monsieur. Madame ? Mon mari, M. Fontenoy, devait venir ici prendre livraison d'une voiture d'occasion. Il m'avait demandé de le rejoindre. Ah oui, il est là, madame, au garage, en train de se familiariser avec le tableau de bord. Il vous attend. Si vous voulez bien me suivre... Ah. Ah, te voilà. Tu vois, les vitesses sont au plancher. Mmh. Oui, c'est plus commode. Tiens, assieds-toi à côté de moi, là. Je vous laisse, hein, que madame voit tout ça tranquillement. Et puis après, vous passerez au bureau pour le petit chèque et puis signer les traites. Naturellement, hein. Naturellement, oui. À tout de suite. À tout à l'heure, monsieur. Attendez, monsieur. Assieds-toi, chérie. Non. Mmh. Bernard, tu connais ce livre? Quel... Good evening, Mr. Benson? Non. Mais tu mens. Nous l'avons eu à la maison. Je me souviens parfaitement de ce titre. C'est possible, je ne me rappelle pas pourquoi. Le troisième lecteur a découvert le poteau rose, mon bonhomme. Ton fameux manuscrit, c'est la copie servile de ce roman américain. Qu'est-ce que tu as? Inutile de nier. Tu sais très bien ce que tu as fait. Et bien entendu, Dombreval veut que tu lui rembourses immédiatement la somme qu'il t'a versée. Il ne t'a pas donné le chèque? Non, mais est-ce que tu es fou ou est-ce que tu te paies ma tête? Mais alors cette voiture... Oh, ça j'ai pas de veine. Décidément, j'ai pas de veine. Alors tu es déçu que Dombreval ne se soit pas laissé escroquer? C'est ça que tu veux dire? Agnès, je suis un pauvre type. Je me sens vidé. J'ai plus qu'à me flanquer une balle dans la peau. Te suicider, toi? Mais t'en aurais même pas le courage. Voilà. Mon pauvre Philippe, je t'ai tout dit. Non, en classe, il devait copier sur ses petits camarades. Et après le garage, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis rentrée toute seule à la maison, je t'ai téléphoné et ça n'a pas répondu. Et lui? Il est revenu à minuit, je crois qu'il a été chez son ami Xavier. Tu sais, ce type-là avec qui il écrit un scénario. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il avait le regard éteint. Il avait bu? Oh non, je crois pas. Il s'est couché et ce matin, c'est moi qui suis partie. J'avais tellement hâte de te voir, tu sais. Je craignais que tu ne sois déjà au bureau. Il faut quitter ce type-là, tu entends? Et au plus tôt. Demande le divorce. Jamais il n'acceptera. Mais il le faudra bien tout de même. Parce que, tu sais, c'est fait. Je pars pour les États-Unis. Ah, ça y est. Le directeur de là-bas abandonne. Je suis nommé à sa place. Je t'emmène et nous faisons notre vie ensemble. Et je tiens essentiellement à t'épouser parce que moi, je veux des gosses. Toi aussi, je pense. Tu le sais bien. Bon, alors, rentre chez toi et profite de l'état d'infériorité de cet individu pour lui faire accepter le divorce. Tu me le promets, dis. Hein? Tu me le promets? Oui. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Des courses. Et toi? J'ai réfléchi. Je te fais une existence impossible, mon pauvre petit. Tu m'en veux beaucoup, n'est-ce pas? Avoue que je peux ne pas être très contente, non? Tu comprends au moins la situation dans laquelle tu nous as mis? Bien sûr, bien sûr. Peu de femmes à 30 ans se résigneraient à l'existence que tu me fais. Je ne te le cache pas, je suis à bout. Positivement à bout. Moi aussi, Bernard, j'ai réfléchi. Écoute, nous avons la chance de ne pas avoir d'enfants. Les charges d'un ménage sont, pour le moment, au-dessus de tes forces. Je ne crois pas avoir le droit d'être un poids dans ta vie. La meilleure solution, ce serait de nous séparer.
Tu irais chez tes parents? Naturellement, oui. Pour combien de temps? Comment, pour combien de temps? Mais si je comprends bien, tu ne veux plus mettre à charge le temps que je me refasse une situation. Non, c'est... Non, pas exactement. Comment, Agnès? Tu ne songerais pas à me quitter pour toujours? Si. C'est mieux pour nous deux. Un divorce? Ah non, ça je regrette. Jamais! Ça tu entends jamais. Non, mais qu'est-ce que je deviendrai sans toi, moi? Et puis tu es à moi, je t'ai et je te garde. Ce n'est pas sûr. Agnès, si tu veux t'en aller pour toujours, je te tue de mes propres mains. Ah non, ça non plus, tu n'en aurais pas le courage. Peut-être, en effet. Mais il y a une chose que je saurais très bien faire, c'est de refuser obstinément le divorce, de ne jamais te rendre ta liberté et t'empêcher de refaire ta vie ailleurs. Ça ne me demandera aucun courage et je le ferai admirablement. C'est ton dernier mot. Le dernier. Alors, je suis heureuse de te voir enfin énergique. Je peux te dire maintenant que j'ai voulu te mettre à l'épreuve et vérifier si tu étais encore capable de réagir. Eh bien, je constate avec plaisir que rien n'est perdu. Quoi? Enfin, tout ce que tu viens de me dire n'était pas sérieux? Mais tu ne comprendras jamais rien aux femmes. Mais... Depuis quelque temps, Bernard, tu sais, je te trouve fatiguée. Comme abattue, avec des moments de nervosité anormale. Qu'est-ce que tu as? Tu te sens pas bien? Je suis un peu là, quelquefois, avec tous ces soucis. Tu sais, tu devrais voir un médecin. Oh, pourquoi faire? Je vais même te dire que ce qui vient de m'arriver m'a donné comme un coup de fouet. Et j'ai l'intention de rester ici tout l'après-midi pour chercher le sujet de mon prochain roman. Oui, je vais me remettre au travail. Repartir d'un bon pied et leur montrer à tous que Bernard Fontenoy a encore quelque chose dans le ventre. Ah, Bernard, rien ne pourrait me faire plus de plaisir, tiens. Oui, il est 2 heures, dis donc. Je vais aller voir maman, c'est mercredi. Je serai de retour à 5 heures, hein. Donc, tu vas raconter à tes parents ce que j'ai fait, non? Mais non. Rassure-toi, va. Et travaille. Alors embrasse-moi, pour donner du courage. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiens, Agnès. Oh, Florence. Je viens de montrer Poulou à ton père. Il lui a donné une petite poudre. L'appétit doit lui revenir dans les 24 heures. Ah, bah c'est parfait, ça. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai rien, pourquoi? Oh, dis, hein, pas moi. Tu as la figure bouleversée, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Bernard qui m'a fait un coup très moche. Ah. Oh, j'en peux plus, tu sais. Écoute, j'espère que tu vas enfin te décider à voir les choses en face. Dis-toi bien, ma petite, que tu as épousé un raté et qu'avec lui, il n'y a aucun espoir, aucun. Et lui-même le sait qu'il est un raté. Et il ne prend pas positivement le chemin de s'améliorer, crois-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh. J'ai pas de conseils à te donner. Mais libère-toi de lui le plus vite possible et essaie de te fabriquer un bon petit bonheur avec quelqu'un de bien. Oui. Oh, je suis navrée d'être obligée de te dire tout ça. Mais il fallait. Et rappelle-toi ma théorie, hein. Droit au but. Et ne t'embarrasse de rien. Oui. Allez. Au revoir, mon chou. Je te téléphonerai demain. D'accord, oui. Au revoir. Oh non, c'est plus possible. C'est plus possible. Oui, parfait. Bonjour, papa. Oh, c'est ma fille. Bonjour. 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 Et qu'est-ce que tu as, toi? Oh, j'ai une migraine terrible. Tu veux de l'aspirine? Non, merci, ça va passer. Tu veux voir ta mère? Oui. Eh bien, écoute, excuse-moi, je finis ce petit travail et après je monte bavarder avec vous deux, hein? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça t'intéresse toujours, ça. Tu te rappelles le temps où tu étais mon infirmière? Oui. Eh bien, ça, c'est pour un pauvre chien inguérissable qui est là à côté. Et tu vois quelques gouttes dans cette boulette de viande et à la première bouchée, c'est terminé. Aucun goût, aucune odeur, aucune souffrance. Comment ça s'appelle? Du cyanol. Un nouveau produit. Tiens, la boîte est là. Allez, excuse-moi, je vais dans la salle d'opération. À tout à l'heure, hein? À tout à l'heure, papa. Ouais. Cyanol, poison instantané, sans goût, sans odeur. Bonsoir, chérie. Oh, tu as fait du feu.
C'est joli, ces flammes dans la cheminée. Tes parents vont bien? Très bien, oui. Tu as bien travaillé cet après-midi? Oui. T'as eu de bonnes idées? Non. Non, je cherche toujours un sujet pour mon livre, mais j'ai beau me creuser, compulser mes notes. Je trouve rien de valable. Oh, ça doit pas être tellement difficile à trouver. Mais tu crois ça, toi? Il suffit de chercher. N'arrête pas. Tu veux que j'essaie de t'aider? Dis vite. Oh non. Oh non, tout de même. Pourquoi? Non, ce serait pas très gentil pour toi. Mais qu'est-ce que ça peut faire si l'idée est bonne? Tu crois? Bien naturellement. Oh putain, n'est pas là, hein? Dieu merci. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, je te préviens, je te donne ça pour ce que ça vaut, hein. Ça n'est qu'un point de départ. Mais c'est ça qu'il me faut. Eh bien, pourquoi ne prendrais-tu pas ton propre cas? Mon propre cas? Oui. Oui, celui d'un auteur de romans policiers qui, à la suite de circonstances X, peut-être un accident d'automobile, serait à sec, incapable d'allonger deux idées, tu comprends? C'est amusant. Alors ce pauvre garçon, désespéré, sans même vouloir essayer un autre métier, décide d'en finir avec la vie. Tout de suite, dès la première page, il met le lecteur au courant de sa décision, de sa détresse, pourquoi il va se suicider. Enfin, tu vois ce que tu peux faire avec ça, hein? Oui, oui. Ça jette immédiatement le lecteur dans le drame. Oui. Alors, d'après toi, il va se tirer une balle dans la peau? Oh, si tu veux. Mais je sais pas, moi, il me semble que l'empoisonnement, ça serait mieux. Tu crois pas? Un coup de revolver, c'est sec, banal, sans imprévu, tandis qu'un empoisonnement, on peut le commenter longuement. Il y a la recherche du poison, il n'est pas tellement facile de s'en procurer, et puis les tâtonnements, les hésitations, un climat spécial. Avec tout ça, il me semble qu'on peut faire de la littérature, non? Oui, tu as raison. Mon gars aura l'intention de s'empoisonner, bien. Mais dans ton idée, est-ce qu'il le fait? Oh non! Non, bien sûr que non. Au moment fatal surgira un événement imprévu, un coup de théâtre qui va te permettre d'aller de rebondissement en rebondissement. Tu vas sûrement trouver la circonstance ou la personne qui l'empêchera de mettre son projet à exécution. C'est facile à trouver, ça. Et puis quand tu auras inventé ça, tu auras ouvert la porte à un tas de possibilités. Et si tu veux, on peut chercher ensemble. Je veux bien, oui. C'est dû que ton idée m'accroche formidablement. Je la sens comme si j'y étais. Ben dans ce cas-là, chérie, y a pas à hésiter. Saute sur ton stylo et vas-y. Oui, c'est ça. C'est ça, ne me parle plus. D'abord, attends, il faut lui donner un nom à ce type-là. Didier. Didier, c'est pas mal, Didier. Hein? Mmh. Attends, Didier comment? Didier Privat, par exemple. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Ah, tiens, je vois très bien mon premier paragraphe. Attends, Didier Privat subit l'épreuve la plus atroce pour un romancier. Il n'a plus d'idées. Depuis des mois, son esprit tourne à vide. Il essaie vainement de jeter sur le papier une intrigue... Non, attends, excuse-moi de t'interrompre, mais tu crois pas que ce serait meilleur si tu racontais toute l'histoire à la première personne? Quoi? Comme si ce pauvre type faisait lui-même sa confession? Voilà. Ça donnerait plus de vie pour le lecteur, ça serait beaucoup plus émouvant. Tu crois pas? Mais oui, tu as 100 fois raison, bien sûr. Pourquoi n'as-tu jamais collaboré avec moi? Tu sais, j'ai pas tellement d'imagination. Eh bien, aujourd'hui, dis donc, tu n'en manques pas, hein? Plus que je n'en aurais jamais pensé, d'ailleurs. Alors, allons-y, attends, j'écris. Voilà. Je subis l'épreuve la plus atroce pour un romancier. Je n'ai plus d'idée. Depuis des semaines, mon esprit tourne à vide. J'essaie vainement de jeter sur le papier une intrigue... les éléments d'une action un peu cohérente, mais je ne trouve que des bribes. Rien ne s'enchaîne. Rien ne s'enchaîne. Il me faut bien regarder les choses en face. Je suis au bout de mon rouleau. Et malgré cette impuissance, il faudrait que je gagne ma vie. Je n'en ai plus le courage, et la misère nous guette, Monique et moi. Qui est Monique? Ce serait ma femme. Ça t'ennuierait de l'appeler Agnès? Non, pourquoi? Ça me ferait plaisir. Un hommage à ta collaboratrice. Va pour Agnès. Je te
te dois bien ça. Continue. Oui, attends. Attends, je réfléchis un petit peu. Attends. Ah, voilà. Alors, j'entrevois les 1000 humiliations réservées à ceux qui n'ont pas d'argent. Emprunt, petits mensonges, échappatoires. Agnès va être obligée d'aller donner, Dieu sait où, des répétitions de mathématiques à 15 francs l'heure. Je la vois épuisée par les longues stations aux arrêts d'autobus dans le froid et sous la pluie, immolant sa jeunesse dans cette course harassante au billet de 10 francs. Et moi, pendant ce temps-là, je resterai le cerveau vide, devant des feuilles désespérément blanches. Oui, alors, je termine le paragraphe par... Attends. Ce matin, je n'en puis plus d'impuissance et de dégoût. Au lieu de ce matin, moi, je mettrais ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est après une journée d'efforts épuisants et stériles que ce désespoir saisirait logiquement ton héros. Ah, très juste. Ce soir, je n'en puis plus d'impuissance et de dégoût. C'est parfait. Je vois très bien la suite. Attends. En finir avec la vie. Voilà, pour moi, la seule issue possible. J'en demande pardon à Agnès, mais le geste que je vais faire me libérera de cette insupportable existence et lui permettra de refaire sa vie et d'être heureuse un jour. Mais tu vois, je m'inspire de la conversation que nous avons eue ensemble à midi. Je vois, oui. Oui. Ma mort est la seule issue. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je n'aurais jamais espéré un texte qui colle aussi bien. Non, ça va plaire à Dombreval. Cet homme désespéré, tu sais que c'est un bon personnage. Non, on y croit. Tu as tout à fait saisi le ton. Bravo, Bernard. Tiens, pour la peine, je vais te chercher un petit verre de whisky. Ah, décidément, tu n'as ce soir que de bonnes idées. Mais un whisky sec, sans eau et sans glace, hein? C'est ce qui me dope le mieux. Continue à travailler, je vais à la cuisine te préparer ça. Merci. Instantané, sans goût, sans odeur. Voilà ton verre, chérie. Mets-le là, merci. Je vais 5 minutes chez Madame Gauthier. Je te laisse travailler, hein? Bien, bien, merci. Va. Va. Décidément, Madame Gauthier, j'ai bien fait de venir vous voir. Je savais que vous me donneriez un bon conseil. J'ai pas été pour rien première pendant 10 ans. Est-ce que vous me prêteriez ce magazine pour quelques minutes, le temps de montrer à mon mari le modèle que nous avons choisi? Mais bien sûr, faites donc. Voilà près d'une heure que je suis avec vous, dites donc. Il doit se demander ce que je fabrique, hein? À propos, comment va-t-il? Oh, il est pas bien. Pas bien du tout, non. C'est pour ça que je voudrais essayer de le distraire, d'avoir une jolie petite robe pour lui faire plaisir. Vous croyez qu'il fait de la neurasthénie? Oh là, au dernier degré. Et voyez-vous, Madame Gauthier, je l'ai surpris un revolver à la main. Oh. Il voulait se tuer, oui. Je l'ai raisonné, mais j'ai bien vu dans son regard que c'était devenu chez lui une idée fixe. Oh, vous savez, moi, je vis plus. Pour petite madame, avec beaucoup de soin tout de même. Faut pas désespérer. Vous êtes gentille. Merci, hein, pour le magazine. Oh, rapportez-le-moi demain, je suis pas pressée. Entendu. Au revoir, Madame Gauthier. Au revoir. Et merci. De rien. Notre médecin, le docteur Mazet, Ruménil. Oh, je me rappelle.
rappelle plus ce numéro. Mais puisque vous dites que votre mari est mort, c'est pas un médecin qu'il faut appeler, c'est la police. Oh, la police? Mais pourquoi faire? Et parce qu'il y a eu suicide. Et elle va faire une enquête. Mais puisqu'il s'est empoisonné. Ah, ce sera probablement qu'une simple formalité. Oh. Si votre docteur venait lui-même, il préviendrait tout de suite le commissariat. C'est obligatoire. Vous croyez? Oh, mais naturellement. Je téléphone. Allô? La police? Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Inspecteur Clarot, le commissariat m'a mis au courant. Je viens voir ce qui s'est passé exactement. Où est le corps? Dans mon appartement en face. Je suis madame Fontenoy. Ah, bien. Dites-moi ce que vous savez. Mon mari était écrivain. Enfin, disons que dans les derniers temps, il essayait encore de l'être. Mais malheureusement, son cerveau ne fonctionnait plus. Il avait la tête totalement vide. Tout à l'heure, en sortant de chez madame Gauthier pour rentrer chez moi, j'ai trouvé mon mari mort. Un verre à ses pieds. Il s'était empoisonné. D'ailleurs, il a laissé sur sa table une confession rédigée de sa propre main pendant que j'étais chez madame Gauthier. En expliquant pourquoi il se suicide. Eh bien, nous allons voir tout ça. Si vous voulez bien me montrer le chemin. Par ici. Le living room est à droite. Pardon. Le décès ne fait aucun doute, hélas. Il y a eu du whisky dans ce verre. Oh, je ne sais pas. Le laboratoire déterminera quel poison a été employé. En tout cas, il ne dégage aucune odeur. Je ne vois ni tube ni ampoule vide, c'est curieux. Où se trouve la confession manuscrite dont vous m'avez parlé? Sur le bureau. Je ne vois rien. Il n'y a que des feuilles blanches. Mais c'est pas possible. Moi, je ne comprends pas. Ce texte, vous l'avez lu vous-même? Ah oui. Oui, je me souviens fort bien des premières lignes. Il disait: je subis l'épreuve la plus atroce pour un romancier. Je n'ai plus d'idées. Depuis des semaines, mon esprit tourne à vide. Après, ma foi, je ne me rappelle plus. Et comment cette confession aurait-elle pu disparaître? Entre le moment où vous êtes allé alerter madame Gauthier et mon arrivée, quelqu'un a-t-il eu la possibilité de pénétrer dans cet appartement? Non, j'avais refermé la porte du palier. C'est bizarre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi donc? Là, au coin de la cheminée, ce bout de papier à demi consumé. Le geste que je vais faire me libérera de cette insupportable existence et lui permettra... Le reste est brûlé. Permettra quoi? Et à qui? Il avait écrit, je crois, et lui permettra, c'est-à-dire à moi, sa femme, de se refaire une autre existence, enfin... Enfin, c'était quelque chose comme ça, quoi. Il a pensé à moi, le pauvre garçon. Ce serait donc là sa confession? Oui. Mais alors, madame, comment avez-vous pu lire ce texte immédiatement après la mort de votre mari? Comment? D'après vous, personne n'est entré, et nous trouvons ce manuscrit dans le feu. Ne croyez-vous pas que M. Fontenoy l'y a acheté lui-même pour une raison que nous ignorons encore? Qu'avez-vous? Vous n'allez pas vous trouver mal. Moi? Mais non, il n'y a aucune raison. Et dites-moi, à l'autre bout de cette pièce là-bas, ce n'est pas une machine à écrire? Si. Ah, allons voir un peu.
un feuillet inachevé sur le chariot et à côté une page entière dactylographiée. C'est votre mari qui a tapé ça? Qu'est-ce que c'est? La seule issue. Un roman par Bernard Fontenoy. Chapitre 1. Confession de Didier Privat. Je subis l'épreuve la plus atroce pour un romancier, je n'ai plus d'idées. Depuis des années, mon esprit tourne à vide. J'essaie vainement de jeter sur le papier une intrigue, les éléments d'une action un peu cohérente. Mais dites-moi, madame, le premier chapitre d'un roman ne constitue pas, que je sache, pour un écrivain une preuve de suicide. Qu'est-ce que vous m'avez raconté? Je ne saisis pas très bien votre attitude. Mais monsieur, c'est... Ou plutôt, j'ai peur de la deviner trop bien. Mais je vous jure... Une seconde, laissez-moi réfléchir. Mais parbleu, c'est évident. Aucun doute là-dessus. Voyez-vous, madame, j'ai tout lieu de croire que monsieur Fontenoy avait rédigé un brouillon qu'il est venu recopier sur cette machine à plusieurs exemplaires pour que son éditeur ait entre les mains un document présentable. Après quoi, il est allé jeter son brouillon au feu et pour se détendre, il a bu ce verre. Que contenait-il? Vous avez dit vous-même que c'était du whisky. Oui, mais qu'y avait-il en plus? Et ce petit supplément mortel, inodore et probablement sans saveur, qui l'y a versé? Allons, allons, ne tremblez pas ainsi, madame. Asseyez-vous, reprenez votre sang-froid. J'ai l'impression que nous allons avoir beaucoup de choses à nous dire.